Stéphane Bern, secret d'histoire. Jeanne d'Arc a-t-elle été trahie par le roi? Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc meurt brûlée vive à Rouen. L'épopée de la pucelle d'Orléans aura duré 2 ans à peine, mais elle va se transformer en légende. Dans le conflit qui oppose depuis 100 ans les Français aux Anglais, cette jeune fille de 19 ans a réussi à inverser le cours de l'histoire. Après avoir tant servi le roi, voici Jeanne, abandonnée de tous. Que s'est-il passé? Le roi a-t-il soutenu son combat ou l'a-t-il abandonné aux Anglais? 600 ans après sa mort, le destin de la pucelle d'Orléans suscite encore bien des interrogations. Avant de tenter de lever certains mystères qui entourent la vie et la mort de cette jeune fille devenue héroïne nationale, découvrons qui était réellement Jeanne d'Arc. Jeanne ressemble à toutes les jeunes filles de son âge, ou presque. On la sait sportive et non dénuée d'atouts physiques. De beaux cheveux bruns, une frêle silhouette et, selon le chevalier Mont-de-Massy, une jolie poitrine. La foi en sa mission religieuse lui confère un charisme certain. Dès l'âge de 13 ans, dans le jardin de ses parents, à Domrémy, en Lorraine, elle entend des voix. Fille cadette d'une famille de laboureurs aisés, Jeanne grandit entourée de ses 3 frères et de sa sœur. Contrairement à la légende, elle n'a jamais été bergère. Elle est éduquée pour tenir une maison, pour devenir une épouse modèle. Elle consacre une grande partie de son temps à la prière et se rend très souvent à l'église. Certes, à cette époque, cette ferveur religieuse n'est pas inhabituelle, mais Jeanne se fait remarquer par son intense piété. À l'origine, rien ne prédispose cette petite paysanne à rencontrer le dauphin Charles de France, futur Charles VII, fils de Charles VI, que ses ennemis considèrent comme illégitime. À la mort de son père, en 1422, Charles est exclu de la succession, en raison de son implication dans l'assassinat du puissant duc de Bourgogne. Son autorité se limite donc à un petit territoire. On le surnomme par dérision le petit roi de Bourges, le reste du royaume de France ayant entre-temps échu au roi d'Angleterre. Charles VII n'a ni argent ni soutien. L'héritier des Valois est au bord du renoncement quand, le 25 février 1429, à son château de Chinon, il fait une rencontre providentielle. Vêtue en homme, Jeanne d'Arc fait son entrée dans la grande salle où se pressent les courtisans. Alors qu'aucun attribut ne distingue le roi des autres hommes, Jeanne fend la foule et vient directement s'agenouiller devant lui. Déconcerté, le monarque accepte de s'entretenir seul à seul avec elle. Personne ne saura la teneur de leur échange, mais le visage du roi a changé d'expression, comme éclairé par une lueur d'espoir. Qu'a pu confier Jeanne à Charles VII? Pourquoi a-t-il modifié son comportement? Ces deux êtres, qui n'étaient pas faits pour se rencontrer, se sont immédiatement entendus. Dans le conflit qui oppose la France à l'Angleterre, Charles joue sa dernière carte et va se servir de cette petite paysanne comme atout. Pour Jeanne, guidée par ses voix, pas de doute, Charles VII est le digne héritier du trône, car telle est la volonté de Dieu. C'est décidé, elle partira, elle-même, au combat, pour libérer le royaume. Quand elle rejoint l'armée royale, elle trouve des soldats démoralisés et vivant de rapines. Des hommes accompagnés dans leur déplacement par des ribaudes qui vendent leur charme. Jeanne remet de l'ordre dans cette armée disloquée. Elle chasse les ivrognes, renverse les tables de jeu et éloigne les filles de joie. Tout cela au nom de Dieu. Sa foi déplace des montagnes. Cette reprise en main coïncide avec un redressement moral général. Avant chaque combat, les soldats doivent se confesser. Jeanne galvanise ses troupes, et tous la suivent sans sourciller. Dès lors, elle force le respect. 29 avril 1429, Jeanne d'Arc, épaulée par le roi, part délivrer Orléans, ville stratégique pour l'accès au nord de la France. Déjà 7 mois que la ville subit un terrible blocus de la part des Anglais. Sa capitulation ne semble qu'une question de jours. Jeanne force le blocus, ravitaille la population et contraint les Anglais à lever le siège. C'est après cette victoire qu'on la surnomme la pucelle d'Orléans. À seulement 17 ans, Jeanne vient d'accomplir l'impossible. S'agit-il d'un miracle? Dans les rangs de l'armée royale, beaucoup le pensent. Certains irréductibles en doutent. Ceux-là n'auront aucun scrupule à la lâcher par la suite. Le soutien du roi est ambigu. Certes, il lui a offert une armée pour libérer le royaume, cependant, il ne pense qu'à tirer son épingle du jeu. Il sait trop bien que son propre sort dépend de cette victoire. Jeanne d'Arc pourra-t-elle encore compter sur lui? Côté anglais, personne ne croit au miracle. Cette jeune femme est une illuminée. La pucelle savoure son succès sans se douter que le roi ne joue pas franc jeu avec elle. Il n'a jamais cessé de négocier avec les Bourguignons, alliés des Anglais. Peut-être nourrit-il quelques doutes sur le futur succès de Jeanne d'Arc. Redoute-t-il qu'elle se montre trop ambitieuse? Charles VII boude son plaisir. Mais cette victoire va pourtant le conduire jusqu'au trône. Orléans libéré, ragaillardi, l'armée française remonte la vallée de la Loire et marche désormais sur Reims. Le 17 juillet 1429,
Charles y reçoit le sacre. Il devient le vrai roi de France. Dans la cathédrale, Jeanne est à ses côtés. Elle ne se doute pas que leur collaboration doit s'arrêter là. Pour elle, au contraire, l'aventure est loin d'être terminée. Après le sacre, Jeanne, plus que jamais animée par sa foi, a un objectif. Frapper fort et prendre Paris. Charles VII, conseillé par son entourage, estime que c'est bien trop risqué. Mieux vaut regagner la Loire et attendre. Le roi n'a jamais été un foudre de guerre. Une attaque est menée par Jeanne sur Paris, mais elle est repoussée. Le roi finit par interdire tout nouvel assaut. Dès lors, Charles et Jeanne n'ont plus la même stratégie. Charles VII sent qu'il doit agir pour mettre un terme aux ambitions de Jeanne, qui désormais conduit sa propre troupe. Elle est assignée à résidence au château de Sully, mais c'est mal connaître la pucelle. De son propre chef, elle décide de porter secours à ses amis de Compiègne, mis en difficulté par les Bourguignons. En désobéissant au roi, elle précipite sa chute. Finalement, le 23 mai 1430, lors d'une sortie aux portes de Compiègne, elle est capturée. Par deux fois, elle tente de s'échapper, mais échoue et se blesse sérieusement en sautant par une fenêtre. Elle est rachetée par les Anglais aux Bourguignons pour 10 000 livres et confiée à Pierre Cochon, évêque de Beauvais et allié des Anglais. Ceux-ci préfèrent lui faire un procès au nom de la religion alors que le motif est politique. Charles VII ne réagit pas, ou du moins ne se mobilise pas suffisamment pour venir en aide à celle qu'il a hissée sur le trône. Il aurait pu intercéder auprès du duc de Bourgogne en lui proposant une grosse rançon, et il aurait pu aussi intervenir auprès du pape. Le procès de Jeanne d'Arc s'ouvre en février 1431, à Rouen, devant un tribunal ecclésiastique où elle va répondre d'au moins 70 chefs d'inculpation. Présidé par Cochon, ce procès dure 3 mois. Jeanne d'Arc se retrouve seule, sans l'aide du roi, ni celle de ses anciens compagnons d'armes. On lui reproche d'abord de s'habiller en homme et de porter les cheveux courts. Ce comportement, qui fait d'elle une féministe avant l'heure, est alors éminemment suspect. Mais surtout, il lui est reproché de s'en remettre systématiquement au jugement de Dieu, plutôt qu'à celui de l'Église militante, c'est-à-dire l'autorité ecclésiastique terrestre. Les juges estiment que ces voix sont en fait inspirées par le démon. Le tribunal rend son avis. Jeanne est schismatique, apostate, menteuse, devineresse, suspectée d'hérésie. Dans cette accusation d'hérésie, Charles VII trouve un prétexte pour abandonner lâchement Jeanne d'Arc. Car s'il la soutient, il est passible du même crime et risque d'être poursuivi par l'Inquisition. Ni le roi, ni personne ne peut donc plus agir pour la sauver. Même s'il est absent du procès, il est tout de même beaucoup question de Charles. Puisqu'en France et dans le monde entier, l'opinion prétend que Jeanne d'Arc est une fabulatrice, égarée par des voix. On risque aussi de dire que le roi est son complice, ou qu'il s'est laissé entraîner par une sorcière. Aussi, pour se défendre de ces accusations, Charles va tout de même essayer de venir en aide à Jeanne d'Arc. Il tente d'influencer le duc de Bourgogne, et place aussi une garnison à Louviers, tout près de Rouen, en terrain ennemi. C'est d'ailleurs à Louviers qu'il restera jusqu'à la mort de la pucelle. Malgré ses ultimes tentatives pour la sauver, Jeanne d'Arc n'échappe pas au bûcher. Plutôt que de l'abandonner entièrement, Charles VII laisse Jeanne d'Arc accomplir son destin. Quant à elle, elle savait qu'elle courait à sa perte. Pendant la Semaine Sainte, à Melun, des voix lui avaient prédit sa capture. Continuant le combat, elle préfère mourir en martyr que de rebrousser chemin. Dans les mentalités médiévales, profondément empreintes de valeurs religieuses, les notions de passion et de rédemption sont très importantes. Jeanne d'Arc est condamnée à périr sur le bûcher. Sur la place du marché à Rouen, 800 hommes armés encerclent les lieux afin d'éviter tout mouvement de foule. Les autorités anglaises craignent les réactions d'une population que le courage de la pucelle n'a pas laissée indifférente. Même si la crémation va durer plusieurs heures, le calvaire de Jeanne d'Arc est relativement court. Parmi les gens qui ont assisté au supplice, beaucoup ont été bouleversés. Les Anglais veillent à ce qu'aucune relique de Jeanne d'Arc ne puisse être emportée, afin de ne pas laisser s'installer un culte populaire. Les cendres sont ramassées et jetées dans la Seine, mais l'affaire Jeanne d'Arc ne s'arrête pas là. Le bûcher à peine éteint, déjà les témoignages les plus surprenants circulent dans la ville. Jeanne d'Arc n'est pas morte, c'est une autre femme qui a été brûlée à sa place. D'ailleurs, sur le bûcher, son visage était masqué. Le mythe est en marche. Cette rumeur donne lieu à l'apparition de fausses Jeanne d'Arc. C'est ainsi que, dans les années qui suivent, des jeunes filles qui se disent investies d'une mission divine vont prétendre être la vraie Jeanne d'Arc. Et certaines vont avoir un assez grand succès, comme la Dame des Armoises, qui arrivera à se faire reconnaître par la famille de Jeanne d'Arc. Pierre et Petit-Jean, ses frères, la reconnaissent, ainsi que beaucoup de seigneurs qui lui font des cadeaux. Cette Jeanne a le même physique, les mêmes intonations, la même gestuelle. Elle s'exprime par parabole et reconnaît les gens sans l'avoir connue. Le journaliste Marcel Gay, auteur de « L'affaire Jeanne d'Arc », prétend même que Jeanne était une princesse royale
et un agent secret au service de l'entourage du roi. Il avance qu'elle avait subi un entraînement sévère pour affronter les Anglais, et que sa présence était un stratagème visant à redonner confiance aux troupes françaises affaiblies. Cette thèse de Jeanne d'Arc, agent secret, dont on parlait déjà au XVIIIe siècle, fait sourire un grand nombre d'historiens, preuve que cette épopée extraordinaire intrigue toujours. Un personnage singulier aurait joué un rôle majeur dans l'épopée de Jeanne d'Arc, Yolande, duchesse d'Anjou. Un de ses fils, René d'Anjou, est marié avec Isabelle, la fille du duc de Lorraine. Elle s'occupe aussi de l'éducation du dauphin Charles, et quand celui-ci est déchu de tous ses titres au profit d'Henri V d'Angleterre, elle va tout faire pour ne pas laisser la couronne de France aux Anglais. Pour vaincre militairement les Anglais, il faut un chef de guerre. Yolande d'Anjou, présente à Chinon le jour de la venue de Jeanne, soutient sa requête. Quelle armée, si puissante soit-elle, pourrait s'opposer à une envoyée de Dieu? Yolande supervise l'examen intime de Jeanne, visant à établir sa virginité. C'est encore elle qui rassemble et finance les troupes dont Jeanne prend la tête. De là à penser qu'elle a monté depuis le tout début ce que Marcel Sanzig appelle l'opération Pucelle, il n'y a qu'un pas. Près de 6 siècles après sa fin tragique, la Pucelle continue d'alimenter tous les fantasmes. 26 chercheurs viennent d'étudier des restes attribués au bûcher de Jeanne d'Arc. Un bocal retrouvé à Paris en 1867 dans le grenier d'un apothicaire a été ouvert et soumis à l'odorat de deux célèbres nez de Guerlain et de Jean Patou. Tous deux ont humé ces restes avant toute étude scientifique. Ils ont remarqué une odeur qui n'est pas celle des restes d'un individu qui aurait péri brûlé. Ils ont senti un parfum très ténu de vanilline, odeur produite pendant la putréfaction et la décomposition d'un organisme, ce qui signifierait que ce corps n'a pas été brûlé. Diagnostic, la côte humaine n'appartenait pas à Jeanne d'Arc, mais à une momie égyptienne. Ce bocal était sans doute une mauvaise blague de laborantin. En 1456, Jeanne d'Arc est réhabilitée par Charles VII, une façon de reconnaître le rôle déterminant de la Pucelle dans l'issue de la guerre de Cent Ans. En laissant Jeanne d'Arc monter au bûcher, le roi a finalement lui aussi participé à l'élaboration du mythe. Jeanne d'Arc, la Pucelle d'Orléans, aura combattu les Anglais pour la grandeur de la France. Accusée d'hérésie, elle a finalement été réhabilitée avant d'être canonisée par l'Église en 1920. Son exécution était-elle donc nécessaire ? L'Église a fait de Jeanne d'Arc l'une de ses plus grandes saintes et l'histoire de France l'une de ses plus illustres figures.